Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission La Vie en Vosges, consacrée cette semaine au milieu artistique, plus précisément le graffiti avec nos deux invités. On l'associe très souvent au street art, c'est d'ailleurs du street art, art de la rue, et à la culture hip-hop. Nos deux invités pratiquent le graffiti, Sébastien Chérier l'enseigne même, il le pratique depuis de nombreuses années et s'attache aussi à transmettre son savoir-faire. À ses côtés, Swapper, un graffeur également, lui a profité du confinement pour vraiment se lancer et appuyer cette démarche. Découverte de cet univers avec nos deux artistes. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en plateau. Alors on va peut-être commencer par une question très simple. Pourquoi le graffiti et comment c'est venu, Sébastien ? Moi je suis un passionné de dessin depuis tout petit. Et puis le graffiti est arrivé dans les années 90 en France. Moi je l'ai connu dans les années 92-95 à l'âge de 15-16 ans. Puis ben voilà, ça a évolué avec moi. On a évolué avec le hip-hop et le graffiti aussi. Swapper, pour vous, comment c'est venu ? Je dessinais beaucoup. Mon grand-père était artiste dans les coins de Gérardmer et la bande de potes de l'époque. Du coup, un des grands frères faisait du graffiti, avait ramené à un anniversaire un livre de graffiti. À l'époque, on ne savait pas qu'il y en avait dans les magasins de journaux comme dans les magazines. On a vu ça, on a commencé à griffonner un petit peu. Et puis après, on a essayé de chercher comment on pouvait faire plus. C'est venu finalement un petit peu, voilà, le dessin c'est souvent le point de départ des graffeurs ou... Bah pour moi par rapport à Swap, c'est que nous on l'a pris ça en fait en pleine figure à l'époque. Lui c'est une génération qui arrive après tout le mouvement, donc lui il a le... On avait il déjà a un de horizon la devant lui que nous on n'avait pas. Il y a un recul nécessaire sur la pratique vous n'aviez pas au moment où vous avez débuté. Alors dans les Vosges, quelle est la place du graphe ? Est-ce qu'il y a beaucoup de graffeurs ? Est-ce qu'on se connaît ? Est-ce qu'on se côtoie ? Est-ce que c'est ancré dans le paysage artistique ? Aujourd'hui, je pense que oui. Oui, avec la nouvelle génération qui arrive, oui, je pense qu'il y a un vrai mouvement qui se développe. Ça a déjà fait un grand pas. Mais je pense que ce n'est pas encore une place prépondérante comparée au paysage, on va dire, vosgien ou aux artistes qui travaillent le bois dans les Vosges. Ça prend une bonne partie déjà, mais ce n'est pas encore suffisamment répandu comme dans les autres grandes villes. Grandes villes, alors, c'est sûr qu'après, voilà, les Vosges, c'est des villes plus petites, hein, des villes moyennes. Mais si on compare, j'imagine, rien qu'avec la région parisienne déjà, je pense, où c'est plus développé, ou même les grosses villes, hein, Lyon, je pense que c'est aussi voilà, des... Cité urbaine où il y a plus, cet art est un peu plus développé. À Épinal, ça bouge super bien, je trouve. Et puis aussi, il y a aussi à Saint-Dié, il y a le parcours historique, je crois, avec la galerie du 36e art, qui ont fait des grandes façades sur les immeubles côté Kellerman et aussi dans le centre-ville de Saint-Dié. Ouais. Ça va dans le bon sens en tout cas, parce que si je vous écoute, ça va plutôt dans le bon sens. Voilà. Il y a des initiatives en tout cas qui favorisent hein, cette connaissance du milieu, hein, qui est peut-être encore méconnue ou peut-être moins connue que certaines pratiques artistiques qu'on voit peut-être un peu plus, où il y a peut-être encore des a priori sur le graffiti, on l'associe peut-être encore à voilà, des actes de vandalisme, voilà ce côté un petit peu décalé. Mais on va voir hein, dans quelques instants des images de l'école de Remiremont, l'école des street art, qui a vu le jour. Vous travaillez bénévolement, vous intervenez. Oui. C'est une initiative qui a le mérite d'exister, qui est très intéressante. Oui, on a travaillé, ça fait 5 ans, avec l'association Airplay, qu'on essaye de développer le graffiti sur le secteur de Remiremont. On a eu la chance de bénéficier d'une grosse salle. Et on a pris l'opportunité d'essayer de créer une école pour transmettre, en fait, tout simplement. Et donc, envoyer tous ces enfants. L'objectif, c'est vraiment la transmission. Ça la se passe comment ? Parlez-nous un petit peu de cette école ou de ce que vous pouvez nous dire. Nous, en fait, on commence par les bases, la lettre. On leur apprend à dessiner des lettres dans toutes les formes, rondes, carrées. Et derrière ça, après, il faut qu'ils amènent leur univers. Et à la fin de l'année, ils savent manier une bombe de peinture, quoi. Vous auriez aimé aller dans une course sur un an, quoi. C'est ça. C'est ça. Vous auriez aimé intégrer une école comme ça quand vous aviez l'âge de ces enfants qu'on voit à l'image là. Est-ce que c'est un chemin que vous auriez pris ou vous préférez finalement vous former tout seul? Je préfère me former tout seul, je pense. J'arrive pas moi à le mettre dans le contexte, mais je trouve que c'est bien pour ceux qui cherchent à avoir une instruction et à apprendre. Mais par exemple dans ma démarche, moi j'aurais pas choisi. Voilà, après, cette c'est option. La personnalité et puis un parti pris voilà, très personnel. Mais je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont découvert peut-être cet univers. Et puis voilà, c'est sympa, je pense, de venir découvrir, le pratiquer avec des. Moi, je suis issu d'un milieu populaire. Donc,
pour moi, ça faisait partie, ça fait partie des choses du hip-hop, de transmettre et de repartager ce qu'on a appris, quoi, tout simplement. Vous attachez beaucoup d'importance à cette transmission, de oui, faire perdurer finalement le graphe que vous pratiquez un petit peu moins. J'ai un côté un peu social, quoi, et je vais pas le cacher, quoi. Oui, on veut développer ça et que ce soit pour le plus grand nombre, en fait, qu'on veut pas laisser une partie de la population qui puisse pas bénéficier de ce genre de transmission, quoi. Alors ça passe par l'école de street art de Remiremont, mais vous intervenez aussi des fois, ça vous arrive d'intervenir dans des écoles, des collèges pour avoir aussi, oui, cette approche. On essaye de. J'ai été contacté par plusieurs collèges, lycées, pour amener justement le graffiti dans les foyers, dans une salle de cours. On a travaillé un peu pour. Oui, ça se développe, ça se démocratise, quoi, tout simplement. Et alors les élèves, quand vous arrivez, est-ce qu'ils connaissent? Est-ce qu'il y a, quel est le premier ressenti, la première approche? Non, on n'a encore pas. On est que des petits artistes locaux. On n'a encore pas une visibilité qui est. Mais quand on arrive, oui, il y a un certain respect pour l'art qu'on représente. Et derrière, ça se passe généralement très bien, quoi. On arrive, tout le monde accroche. On n'a personne qui décroche sur des choses comme ça, quoi. Est-ce qu'on s'inspire de ce qui se fait ailleurs ou... Alors, vous avez créé un univers bien à vous, et je pense que c'est souvent ce qui se fait dans le graphe. On a un univers bien particulier. On ferme les yeux sur ce qui se fait ailleurs. Non, juste on regarde. On regarde ce qui se fait ailleurs, ouais, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se fait. Et puis, on regarde aussi les autres couleurs, quoi. On regarde des couleurs un petit peu qu'on ne se verrait pas associées, pour essayer de sortir un petit peu de l'habituel. Et puis, essayer de se renouveler. Et puis, c'est important de voir ce qu'il y a autour de nous, quoi. Alors vous, votre personnage, Petite Bulle. Ouais. Alors expliquez-nous la naissance de ce petit personnage qu'on va voir. Hein. Je pense qu'on va voir quelques photos de vos réalisations dans quelques instants. Mais... Alors à la base, c'est juste un rond. Ça part d'un rond, même quand on dessine un crobar pour faire un visage. C'est pas un rond, on va dire, parfait, mais c'est un rond qui prend un peu la forme d'un ovale, un petit peu pour tracer les formes du visage. Et en fait, j'ai juste inséré au début, comme sur ceux-là, des yeux de cartoon vraiment très simples. Un nez basique, un visage, on va dire, des plus communs des cartoons qui se faisaient avant. Et petit à petit, je l'ai fait évoluer. Donc là, on peut voir, par exemple, c'est un petit peu animalier, mais avec des couleurs, on va dire, vives quand même, qui sont claquantes. Mais je ne voulais pas lui mettre de corps. Vraiment, je voulais pas lui mettre, par exemple, les seins ou, par exemple, le ventre ou, par exemple, des grandes jambes ou un plus petit pour pas vraiment qu'il y ait de différenciation. À la limite, de temps en temps, une paire de chaussures, un pantalon, c'est bien sympa, mais vraiment cacher, on va dire, tous les attributs physiques qui pourraient donner à une différence. Par exemple, sur l'obésité ou sur les minces. Ou sur... Soit neutre finalement et que tout le monde puisse. Qu'il soit neutre, mais qu'il ait une expression et qu'il ait une thématique. Chaque graffeur a son univers bien à lui, se crée un univers bien à lui. Moi, je n'ai pas vraiment mon univers. Voilà, on a deux cas. On a deux, oui, c'est. Soit on voit vraiment, on peut le reconnaître vraiment. En même temps, on le reconnaît dans le secteur vosgien, on sait que c'est lui, quoi. On sait qu'il est moi, passé par. Moi, j'ai une patte, mais c'est pas. Je serais multitâche, on va dire, un peu 4-4, quoi, dans le secteur, quoi. J'ai pas vraiment ma patte à moi, quoi. Donc ce petit bonhomme, vous le déclinez, puis ça restera lui, c'est celui qui vous a... Pour le moment, je suis parti comme ça depuis 3 ans. Peut-être que ça évoluera dans le temps, quoi, mais pour le moment, ouais, c'est ça, l'idée. Alors ce n'est pas votre activité principale, hein, vous avez un autre métier à côté. Et vous n'avez pas forcément envie que ça le devienne? Pas forcément, parce que je me vois pas pour le moment me réveiller un matin et me dire c'est bon, ça y est, je peux avoir que ça comme activité. Pour le moment, c'est en secondaire. Je m'investis beaucoup dans cette activité secondaire, mais pour le moment, c'est pas en projet viable de me dire je peux arrêter mon activité principale et me consacrer à 100% dans le graffiti et la peinture. Alors, c'est plus parce que vous estimez être lucide sur la difficulté de tirer un revenu, enfin d'avoir un revenu qui puisse vous permettre de vivre confortablement, ou c'est plus parce que voilà, vous ne voulez pas forcément que ça prenne 100% de votre temps? Je pense tirer un revenu, on va dire, conséquent au début, ce n'est pas facile. Et puis surtout que la visibilité ne se fait pas d'un jour à l'autre, quoi. Et ce serait pas intéressant de faire une visibilité en passant par des grosses campagnes de pub, être partout sur les médias ou sur la radio,
faire des affiches promotionnelles, c'est pas ça le but. Voilà, c'est pas ce que vous cherchez, donc voilà. Petit à petit, c'est difficile de toute façon de faire, de faire sa place dans le milieu artistique déjà globalement, il faut quand même réussir à se différencier, se démarquer. Dans le graphe, c'est encore plus difficile de... Dans le graphe, il y a un milieu entre graffeurs déjà, donc déjà, il faut déjà essayer de se démarquer déjà d'autres graffeurs et d'avoir une légitimité dans ce domaine. Et seulement après, on peut peut-être prétendre pouvoir gagner notre vie dans le graffiti, quoi. Peut-être pas. Pourquoi pas ? Je sais pas, on sait plus. Aujourd'hui, tout est possible. On peut pas dire parce qu'on habite dans un secteur un peu rural que rien n'est impossible. C'est fou. La preuve, on a une école d'art. C'est vrai. Alors derrière le graffiti, il y a des messages aussi qu'on souhaite faire passer. Des fois, ça permet d'aborder une problématique. Et je vous propose, avant d'en parler, qu'on regarde un reportage. C'est un sujet réalisé par nos équipes en mars 2020. Le reportage est signé Laure Catin et Sophie Douin. Il devrait dans quelques temps fleurir un peu partout dans la plaine. Ces conteneurs à verre ont, il y a quelques semaines, fait le bonheur d'artistes en herbe. Les bourrasques de vent n'auront pas fait reculer ces adolescents du centre social néo-castrien en pleine création de graphes du côté de la déchetterie de Châtenois. L'artiste Cyril Blanchard, plus connu sous le nom de Vilks, est venu les guider dans leurs travaux. Alors en fait, ce matin, on a fait un atelier dessin, donc 2 heures ce matin, où en fait, j'ai proposé certaines idées, mais j'ai aussi demandé à ce qu'eux réfléchissent. Finalement, ils n'ont pas retenu mes idées, ils ont vraiment essayé de créer leur univers à eux. Les seules directions que j'ai mises, c'était pour l'échelle des dessins, il fallait quand même que ce soit à moins 1m50, etc. Des supports, certes, pas faciles à peindre, mais qui n'ont pas été choisis au hasard par la communauté de communes de l'Ouest Vosgien à l'initiative de cet atelier. Je ne vais pas dire qu'ils vont avoir la fibre écologique d'un coup, mais effectivement, le support est intéressant, le projet est intéressant, parce que pour eux, faire du graffiti, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire tous les jours. Je pense que ça peut jouer un rôle dans le sens où ils vont parler de leur famille, de ce projet, que les familles vont peut-être aller sur place et puis en parler aux autres personnes. Enfin voilà, il y a toujours une relation de cause à effet entre un projet culturel et des fois l'écologie. L'art pour mettre en avant la protection de l'environnement, un sujet dans l'air du temps pour cette génération. J'ai fait le bouson et un pêcheur. Et en fait, ça représente la nature parce que la Terre, elle est un peu trop polluée. Et donc c'est une planète entièrement recouverte de sable, donc c'est plus tard dans le temps. Pour pas que ça n'arrive, justement, il faut trier bien les déchets, pour pas arriver à cette catastrophe. Justement. Alors à travers le graphe, on peut faire réagir, on le voit finalement, oui. Est-ce que des fois c'est l'objectif? Est-ce que c'est ce qu'on cherche en premier ou pas? La démarche du graffeur, oui, au départ, elle est de percuter, d'essayer de faire élever les consciences. Après, là, on parle d'écologie, c'est encore autre chose. Généralement, le graffeur, il parle politique. Là, on est dans l'écologie. Bon, c'est le sujet du moment, c'est la politique aussi. Donc on peut parler de tout. Est-ce que derrière vos dessins, derrière vos graphes, il y a des messages, il y a des... Pas forcément. Pas spécialement. C'est plus inspiré d'images ou de moments. Mais il y a rarement des messages politiques. Ce sera plus une ambiance ou une thématique, ou une photo que j'ai prise, ou une photo d'amis. Je vais reprendre un petit peu l'univers, le milieu, l'expression du visage, mais il n'y a pas de message. Il n'y a pas vraiment de message, que ce soit écologique ou politique, derrière vos œuvres. Alors, c'est plutôt original de s'attaquer à des conteneurs. Hein, vous voyez, c'est une initiative qui a été énormément reprise. Hein. Vous avez participé justement avec Psychovad. On a fait une initiative avec Psychovad et OI, avec l'association Airplay. Où on a customisé un peu plus d'une vingtaine de conteneurs qui sont dispatchés un peu partout dans le secteur vosgien. C'est une première, j'imagine, de graffer sur des... C'est une première. Oui, ça a été un très beau projet. C'est un projet où l'association Airplay, on est très fiers. Et alors là, pour le coup, c'était carte blanche par rapport au Psychovad. Est-ce qu'il y avait des demandes précises ou est-ce que... Il y avait quand même la thématique du recyclage et de l'environnement. Donc on est resté sur cette thématique. Vous avez eu des cartoons, vous avez eu des illustrations d'animaux. On est parti sur des formats vectoriels. Ouais, il y a eu un peu de tout qui a été fait, quoi. Alors on parlait de la place du graphe dans les Vosges tout à l'heure. Est-ce qu'il y a suffisamment de lieux pour s'exprimer? Non. Si c'est pour dire clairement, non, il n'y a pas assez de murs d'expression. Ouais. Alors, vous nous disiez qu'il y en a un qui, vous nous disiez en tête tout à l'heure, à Gérardmer, il y en a un maintenant. C'est ça. J'ai mis en place le projet il y a un petit peu plus d'un an avec la mairie de Gérardmer. Il se trouve à l'entrée de la nouvelle piscine de Gérardmer qui a été ouverte il y a quelques semaines. Il y a très peu de temps, ouais. Il y a quelques semaines.
Et en plus du mur d'expression de 7 mètres par 3 et d'une box électrique à proximité qui a été réappropriée aussi en mur d'expression libre, c'est déjà un premier pas pour avoir des supports, mais c'est qu'un début. Une initiative qui a été bien reçue directement ou quelle... Bien reçue par les élus. Les élus étaient enthousiastes et le projet a mis un petit peu plus de temps à passer au niveau de la mairie, mais il est là, il est arrivé et c'est bien. Et j'espère que un prochain projet sera renouvelé si un skatepark potentiellement est refait à Gérardmer, vu que ça fait quelques années qu'il n'y en a plus. Et Ça voilà. pourrait être un lieu qui irait bien dans l'univers. Dans Voilà, c'est vrai qu'on l'univers, voit ouais, du souvent des street murs art. d'expression dans les skateparks. Et c'est... À Épinal, il y a aussi le mur, alors qui est géré par une association. Là, pour le coup, c'est une belle vitrine aussi, j'imagine. On aimerait avoir des murs comme ça partout. On voit des illustrations hein, des derniers qui ont utilisé le mur. Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez voir se multiplier, des initiatives qu'on aimerait voir partout, dans toutes les villes? Oui, ce serait bien d'avoir ça dans toutes les villes, parce que si on pouvait avoir des artistes reconnus qui puissent nous montrer leurs œuvres justement éphémères, oui, ça, on reste dans la thématique du graffiti, donner la visibilité aux gens, quoi. Et que ce ne soit pas enfermé dans un musée. Ah bah, c'est sûr que... Alors après, là, c'est encore différent du mur d'expression où là, on fait vraiment appel à une personne qui vient pour un temps donné. Le mur d'expression a une autre vocation, j'imagine. Comment C'est ça se ça. passe? On vient, on s'exprime, et puis après, comment ça se passe quand on veut se réexprimer sur le mur? Et en fait, la ville de Gérardmer au début m'a proposé de faire un petit peu dans le même thème que le mur à Épinal, faire un mur associatif. Sauf que je leur ai dit que j'avais pas le temps de m'occuper de ça, de faire une association par rapport à ça. Faut gérer, bien Et sûr. je leur ai dit qu'en plus, l'emplacement au niveau de la piscine n'était pas approprié pour un mur associatif. Le but d'un mur, c'est d'être vu. À la place, initialement, le mur d'expression libre, il devait être placé au bord du lac. Ça n'a pas été retenu. C'est pas grave, il a été placé, c'est déjà ça. Et si vous voulez, mur d'expression libre, en fait, tout le monde peut s'exprimer. Il y a juste un petit peu des règles. Faut venir avec du matériel, pas juste acheter des bombes de peinture et s'exprimer. Faut d'abord mettre une couche dessus ou couvrir toute la surface qui a été faite par le précédent, pour pas que ça devienne brouillon et que ce soit pas visuellement C'est parlant ça. polluant. Il faut vraiment que ce soit entretenu, enfin que ce soit bien géré, parce que sinon ça ressemble à rien finalement. C'est un peu C'est ça le ça, risque. ça peut pas, vu que c'est libre, ça peut pas être géré de manière, on va dire, conventionnelle et stricte, mais qui est un minimum, quoi. C'est tout. C'est après voilà, c'est la responsabilité de chacun aussi. Si on C'est ça, souhaite ouais. continuer à s'exprimer sur ce mur, il faut qu'il soit entretenu. Alors on va parler technique dans un instant, si je peux me permettre. Mais avant, je vous propose une deuxième pause, puisque c'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, deux petites questions. La première, on reste dans le milieu artistique. La deuxième, on sortira complètement. On cherche une personne qui était peintre paysagiste. Un musée porte son nom à Plombières-les-Bains. De qui s'agit-il? Alors, Claude Gelée, Charles Pécat ou Louis Français? Claude Gelée, Charles Pécat ou Louis Français? Je vous vois lever les yeux au ciel. À mon avis, vous n'êtes pas sûr du tout de votre réponse. Alors, il va falloir quand même m'en donner une. Claude Gelée, Charles Pécat, Louis Français, peintre paysagiste. Un musée porte son nom à Plombières-les-Bains. Est-ce que vous avez une petite idée ou pas du tout? Pas du tout. Je Charles dirais la 2. Pécat. La 2, Charles Péquette. Tous les deux sur celle-ci. Ah non, c'est pas celle-là. Alors, Claude Gelée était né en 1600 à Chamagnes. C'était un peintre, graveur et dessinateur. Il est l'auteur de nombreux tableaux, hein, dont certains sont visibles dans les plus grands musées du monde, comme le Louvre, par exemple, pour ne citer que lui. Et son nom a notamment été donné à un collège spinalien. Charles Péquette est un artiste peintre né à Baccarat, mais qui a vécu à Saint-Dié. Et enfin, la réponse, c'était donc François-Louis Français, qui est né à Plombières-les-Bains en 1814. Qui était peintre, graveur et illustrateur français. Il est l'un des paysagistes les plus réputés de son vivant et un musée lui est donc consacré à Plombières. Donc c'était le monsieur et puis le musée à côté. Un musée qui présente 2000 dessins et aquarelles, 400 toiles de l'artiste et des œuvres de ses contemporains, pardon, léguées par l'artiste en 1897. Voilà, vous savez tout sur Louis Français, qui a donc un musée qui est fermé actuellement pour travaux à Plombières, mais qui devrait rouvrir. Deuxième question, on va parler cuisine. Alors, je ne sais pas si vous êtes amateur de cuisine, mais quel ingrédient n'entre pas dans la préparation des tofailles, un plat typiquement vosgien? Alors, n'entre pas hein, dans la préparation. Les carottes, le vin blanc ou le lard, quel ingrédient n'entre pas dans cette préparation? Vous avez déjà mangé des tofailles?
Les carottes. Bon, la réponse est unanime en effet. Hein. Le terme tofaille, provient du patois des Hautes-Vosges hein, de Gérardmer et signifie à l'étouffer. C'est un plat typiquement vosgien à base de pommes de terre, de lard, d'oignons, de beurre et de vin blanc. Bravo, donc les carottes, pas de carottes. Hein, si... Il manque un peu de légumes dans les tofailles. Mais ça peut être avec ou sans poireaux quand même. Donc allez, on va retourner à l'art et au graffiti. Techniquement parlant, qu'est-ce qu'exige le graffiti ? Des compétences en dessin, j'imagine, ce que vous disiez tout à l'heure, ou pas forcément ? Pas forcément. Pas forcément. Tout le monde peut venir s'exprimer. Vous avez maintenant, depuis quelques années, un style un petit peu de graffiti qui est un petit peu bien, qui commence à bien se développer. C'est l'ignorant style. Donc vraiment le graffiti ignorant. Ça veut dire pas des traits nets, des dessins sans proportion exacte, un trait vaporeux, des dessins naïfs. Et c'est quelque chose qui commence à bien être ancré et qui existe déjà depuis un moment, mais qui commence à bien prendre un pas sur des lettrages propres, des lettrages compliqués qu'on pouvait voir avant. On n'est pas frustré de voir tout le monde finalement s'initier au graffiti, ou au contraire, est-ce que c'est bien vous qui mettez du temps, de la passion, ou des personnes utilisées Ça renouvelle un peu la gamme. C'est ça. Plus on sera nombreux, mieux ce sera, moi, je trouve. Tant mieux, c'est sûr. Et alors pour le matériel, pas de divergence pour le coup ? Est-ce que chacun a du matériel spécifique ? Alors j'imagine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de fournisseurs dans les gammes d'aérosols. Après, on trouve différents matériels, de la basse pression, de la haute pression. Basse pression pour travailler tout ce qui est finition, la haute pression pour travailler tout ce qui est les gros aplats, comme on appelle ça. Puis après, il y a les caps comme un peintre et ses pinceaux. Quoi. Donc on a plusieurs caps avec... plusieurs finitions, comme un peintre avec ses pinceaux. Quoi. Il a du gros, il a du petit. Et avant de se lancer, est-ce qu'on passe, avant de se lancer donc, sur un mur, pour faire une fresque, est-ce qu'on passe par l'étape croquis ? Est-ce qu'on se lance directement ? Comment ça se passe pour vous, Chopper ? On fait le plus souvent une esquisse. Et, par exemple, j'ai rencontré un graffeur, même plusieurs de Mulhouse, qui font en fait, directement sur le mur. Ils ont une idée dans la tête, ils ont regardé des photos. Et un peu le thème couleur, et sur le mur ils vont tracer leur esquisse, soit parce qu'ils la connaissent et puis ils connaissent bien leur truc, soit ils improvisent et puis ils essayent nouvelles choses quoi. Alors vous êtes plutôt dans quelle optique ? Moi je suis plutôt à préparer l'esquisse. Je prépare l'esquisse, ouais, et aussi j'essaye un petit peu en ce moment d'improviser le personnage. Je regarde un petit peu de photos avant et j'improvise le personnage. Vous sentez plus à l'aise dans cette... vous avez encore besoin. J'essaye. C'est les tests. Pour ouais, c'est ça. Alors vous, donc voilà, le dessin, c'est une valeur sûre, ça vous rassure. Oui, c'est une façon de s'assurer de reproduire ce qu'on a envie, quoi. Parce qu'il y a des fois où on passe des heures, hein, rien que sur un format papier, à chercher la lettre, à bien essayer de trouver ses traits. Donc quand on l'a, oui, on est content, on aimerait bien le poser sur le mur, quoi. Oui, on ne se rend pas compte, mais il y a de nombreuses heures de travail. On a vu vos œuvres tout à l'heure en dessin swapper, ça représente combien de temps de travail ? Plusieurs jours, j'imagine ? Ça dépend. Sur mur, ça peut être rapide. Mais il y a du travail en fait d'esquisse et de préparation. C'est ça, c'est la préparation qui est... Donc il n'y a pas vraiment de temps donné en fait. Ça dépend si l'esquisse vient tout de suite, si je la retravaille, si j'ai le temps de choisir les couleurs, le temps de réfléchir où je vais la faire. Et puis voilà quoi, il n'y a pas vraiment un temps donné. Un temps donné, bien sûr. Mais le plus souvent, quand c'est par exemple des chantiers chez les professionnels ou les particuliers, ça va être un gros temps, on va dire, de préparation au niveau du dessin, au niveau du choix des couleurs, au niveau de l'échange avec la personne. Pour savoir qu'est-ce qui lui va, les corrections à apporter sur l'esquisse. Et par exemple, si c'est, on va dire, une après-midi, entre amis, tout, on se retrouve, on va sur un événement pour peindre, le plus souvent, pour moi, c'est assez rapide. D'accord. Donc voilà, c'est très variable en fonction des graffeurs aussi, j'imagine. En termes de projet, peut-être vous, Swapper, allez... dans les mois, les années à venir, allez, les mois peut-être Normalement, dans le mois de mars, il y aura une exposition dans les Vosges pour une durée d'un mois. On peut connaître le lieu ou... pas pour le moment, je diffuserai sur mes réseaux prochainement. Alors, une expo, donc Une expo. Quelle forme ? sous une forme d'exposition, pas dans une salle d'exposition, okay. Une salle polyvalente, dans un lieu, on va dire, un petit peu différent.
C'est très mystérieux quand même. Et comment, ce sera ouvert les week-ends. Je serai présent les week-ends. D'accord. Pendant 4 week-ends. Et la semaine, ce sera pendant les heures d'ouverture du lieu. D'accord. Bon, bah, on va attendre de découvrir ça. Pour vous, Sébastien, toujours continuer à transmettre peut-être toujours à et transmission, à passer le... pareil, on va essayer de développer des expositions. Et... Le but, c'est de développer la culture. Et... Nous, on a commencé avec l'art urbain. Derrière, on aimerait bien amener aussi d'autres choses comme la danse, comment on peut appeler ça, le chant et l'écriture. Toutes les choses-là qui font partie du hip-hop, essayer d'ouvrir vraiment une vraie maison de la culture ouverte sur plusieurs thématiques, en fait. Pas forcément que sur le street. Il y a de quoi faire, en tout cas. Voilà, merci, messieurs, on arrive au terme de notre émission. Merci d'avoir été sur notre plateau. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous dis à très bientôt.